Bonjour à tous, aujourd'hui Ginette et Mirenzi pour le premier interview de jeunes artistes de la rue. Donc aujourd'hui nous allons parler de ton premier album qui est intitulé 20 jours en enfer. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Alors sans plus tarder, j'aimerais savoir pourquoi 20 jours en enfer. But first, thanks for having me. It's cool. I love the setup. Ok, so why 20 jours en enfer? C'est que 20 jours après un break-up, c'est souvent dur. T'as plusieurs stages. So, tu commences par depression, après shock, après t'acceptes le fait qu'elle est partie. Après, move on completely. So, that's it. So, ce qui t'a inspiré à faire ce projet, c'est vraiment le break-up ou est-ce que tu avais des idées avant ça? Non, c'est. It's based on my own experience. Genre, j'ai vraiment passé un truc comme. Genre, j'ai vécu un truc comme ça. Quelques années auparavant, pendant 20 jours après le break-up, I was just nuts. Like, I was going crazy. I was crying here, over here. Like, shit. Yeah. Je sais que c'est hors sujet, mais j'ai vu que vous étiez accompagné de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez le présenter, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Oh, je pense à Marcus, bien sûr. Marcus, c'est mon fils. Il a juste 10 ans, il vient juste d'avoir 10 ans. Ah ouais, il est très sportif, très dynamique, très bon à l'école. Wow. C'est un ange. Hey, Marcus, viens. J'ai trop envie de voir. Viens. Marcus, arrête de faire le gêné là. Vas-y, Marcus, viens là. Dis bonjour à Ginette. Bonjour, Ginette. Oh, voilà, tu vois, c'est trop mignon. Bonjour. Vas-y. Ok. Ah ouais. Non, dis bonjour à la caméra, tu vois, il y a les gens. Salut. Il est très. Très spécial. Très cute, hein. Trop cute. Chignon. Chignon. Moi, je l'ai fait en plus, je l'ai fait. Genre, moi, je suis vraiment impliqué dans ma vie de père. Bien sûr. Oui, vous avez du sportif, quoi. Ouais, sportif, il est très sportif. Il fait du basket. Ouais, tiens. C'est un gros bonhomme. Musculation. Ouais. C'est fort. Je parle pas, moi. Ok. Moi, je dis juste que. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, il est très, très, très. Non. Yo, t'as vu quoi? Non, Marcus, non! Il en a un arrêt. Quel Marcus! Il a fait un très mal de la poire! School, man! Il s'arrête pas, comment vous voulez? Il fait pas besoin de revenir, toi, vas-y, toi! Non, non, c'est pas. Tu m'as fait cette thérapie, jette-moi, Médaline! Je te dirais Tyson, mais bon, c'est pas grave! Et voilà, Marcus pour la victoire! Correct. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ça doit être les video games, you know, Call of Duty. No worries. I'm sorry. Donc, comme on disait, c'est quand que tu as commencé à faire de la musique? J'ai toujours fait de la musique en fait. Depuis que je suis tout petit. Mais un âge. Un âge que je me suis mis sérieusement, 16 ans. Like, at 16, I was like, I had my laptop and FL Studio and I just. C'est quoi ton processus pour faire tes projets? Comment est-ce que tu fonctionnais? Pour ce projet, j'en avais pas précisément. C'est juste que j'avais l'idée. Et là, souvent, j'aime genre regarder plusieurs choses, plusieurs subjects, et quelque chose qui ressemble à ce que je veux faire. Et de là, je m'inspire de ça, je m'inspire de ça. Par exemple, de base. Il y avait Ludovic de Saint-Sernin. Ludovic de Saint-Sernin, c'est un fashion designer, right? Il avait fait une collection, je pense que c'est Fall 2000, and I don't know. But I really love. J'ai beaucoup aimé ses vêtements, right? Il y avait One Piece qui c'est genre, yo, c'était magnifique. Et genre, je me suis inspiré de ça, de qu'est-ce que ce like, specific piece like, voulait dire. Et j'ai construit quelque chose autour de ça. Il n'y a pas de creative process. Like, précis, mais I just take a bunch of stuff, like watch movies and shit, get inspired. That's cool. Sur ce projet, est-ce que c'est toi qui as tout écrit, tout fait, ou est-ce que tu as eu l'aide de d'autres gens? I did everything by myself. Yeah, I did everything by myself. Yeah, j'ai pas eu d'aide. Ça n'a pas trop été challenging pour toi de faire tout ça tout seul? Not really. I was really focused like since day one. But I'm not gonna lie, ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Because quand j'ai annoncé le shit,
je savais pas ce que je faisais. Like, je venais juste de commencer à faire des beats. Je sais pas ce que je faisais. So, il y a plein de fois où j'ai recommencé, j'ai dû recommencer l'album. Que j'avais pas mon propre sound. Et c'est vraiment peut-être fin 2021, juillet jusqu'à la fin, genre que j'ai vraiment trouvé mon sound. And I just get all this shit, validé, je sais pas, ma soeur. Et ça t'a pris combien de temps pour faire ce projet? Right, probably a year or a couple months. Mais je vais enlever les premiers mois parce que genre I was not doing shit, like je sais pas ce que je faisais. Mais genre le moment où tu travailles fort, t'as vraiment investi ton temps. C'était en juillet, en août je pense. En août c'était là, genre j'étais vraiment aid, j'avais trouvé mon shit. Thank I was you. Just going crazy. That's really good. Yeah. Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes sur ce projet? Ouais, il y a une fille, she did amazing on the last song. Et il y a aussi mon boy Adam, shout out to him for real. He did an amazing job. Actually, genre, his samples à part ça, on était genre à sa musique, and she was just jamming out. Et là, il a pulled out some crazy ass fucking, I don't know what the fuck. So I was like, you know what, I'm gonna take that. Et là, je vais mettre ça dans le. I heard some of his music, that was really good. Yeah. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens avant qu'ils écoutent ton album? Just listen, bro. Like, listen to it. It's a bit weird. Get some weird sounds in it. So, And, je sais pas, préparez-vous à passer 20 jours en enfer.